La table du soir, c'est d'abord une devise. Si tu as faim, tu viens. Donc la table est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de contrôle, on ne demande pas de pièces d'identité. Si tu as faim, tu viens. Ouvert depuis le 14 novembre dernier, ce restaurant de la solidarité ne fermera ses portes que le 31 mars. Entre-temps, 8200 repas seront servis, une moyenne d'une soixantaine de convives chaque soir. La trésorière de la table, Liliane Rizon. Il n'y a pas de profil, on a beaucoup de gens qui sont à la rue, mais on a aussi des petits retraités qui viennent manger, ce qui leur fait des économies pendant 4 mois et demi. On a pas mal d'étrangers aussi qui passent, toutes les nationalités, c'est vraiment très varié. C'est quand même la misère sociale, quoi, parce que la plupart dorment dehors. Hein. Parce qu'après, les autres structures comme les restaurants du cœur donnent des denrées, mais à des familles qui ont déjà un logement. Tandis que nous, c'est vraiment les plus démunis que nous avons. Hein. La nourriture provient de la Banque alimentaire du Pays Basque. 6 tonnes au total l'an dernier. De la nourriture préparée par des bénévoles, une dizaine de cuisiniers par jour mobilisés. La vice-présidente Paulette Latrubès. Les cuisiniers donc préparent la soupe et le plat. Mais ce sont des plats qui sont faciles à préparer. C'est Véronique, notre salariée, qui nous organise les menus et qui nous donne, en fonction des denrées qu'elle a reçues de la Banque alimentaire, qui nous dit ce qu'il faut préparer. Les invités visiblement apprécient, comme par exemple Momo. Madre mia, la soupe, l'entrée, le chaud, après le dessert, après le gâteau, après pour emporter. Si vous êtes dans la rue, tu ne peux pas passer le faim ici. Tu manges bien. Ah, moi, je suis content. Je n'ai pas de boulot en Espagne, je suis venu ici et je me trouve bien, je me suis à l'aise. Hier soir, les clients ont eu droit à de la soupe, une salade de choux avec ou sans jambon pour les musulmans, ainsi qu'un gâteau de chocolat ponctué d'un café. Les pensionnaires peuvent aussi emporter les restes. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne journée. Et que nous verrons ce jour. Muchas gracias.